Super. Alors, bienvenue dans Masterclass AliExpress. Dans la vidéo, ça nous va voir l'interface AliExpress là, OK? Donc, dans la première vidéo, on était plus ou moins ouais, partie théorie, hein, côté que me parlait de qui ça AliExpress là, de quel avantage que les gains de tout ça que proposait dès qu'a dit théoriquement, bien sûr, de ça AliExpress là proposé. Ça me dit théoriquement parce que lorsqu'on commence à ouvrir boutique ou commence à utiliser la plateforme là, ben, c'est important pour mettre toutes sortes sur ta dans la première vidéo en pratique. Donc, dans la vidéo ça, nous voyons ouais interface là, d'accord? Donc voilà. Donc pour aller sur AliExpress, c'est super important. On doit juste aller sur Google, par exemple, pour taper Google. En fait, ou aller sur Google. J'aime dire. Hein? Par exemple, vous voulez taper AliExpress. Voilà, on est tellement sur AliExpress, donc il est déjà là. Boum. Donc on clique sur lui, ça va AliExpress, ok? Donc voilà, déjà non sur AliExpress. D'accord, ok. Super, ok, bon. Non sur plateforme, non. Donc, là, on fait sur plateforme, non. Vidéo, ça, c'est surtout pour montrer nous tout le compartiment qui est dans plateforme, non. Ça, on va dire dit front-end, ou bien front-office, plateforme, non. Front-office, interface plateforme, non, ok. Donc, là, moi, pourquoi entrer sous compte, moi. Mais, même les comme si on était sous compte, moi, c'est même style interface qui n'a pas vraiment une grande différence. Donc, pour nous, ça. Dans l'autre vidéo, à côté que je vais parler du back-office, en parlant de tout ça qu'on a fait derrière, des cas dit plateforme, non, interface, non, le comme si rentrer sous contour. D'accord? Donc là, par exemple, en haut, là, nous avons un logo, là, nous avons un bar, ça qui est super important. Son bar que même dans boutique Shopify, des fois, me conseille, mon gain, parce que bar, ça généralement incite les clients à passer à l'action, c'est-à-dire de cliquer pour le cacher son produit. Donc là, par exemple, ou bien catégorie aussi, mais catégorie, ça permet comme si, par exemple, on dit. Je prends par exemple computer in office et puis moi besoin de chercher un bagage par exemple moi fais jump drive par exemple jump drive là donc après catégorie n'a pas changé c'est-à-dire il n'a pas changé c'est-à-dire il n'a pas changé comme tu as dit il n'a pas changé visage interface là contrairement à si par exemple si me fait OK là il va chercher tout jump drive qui gagne yo voilà jump drive là on va retourner encore sous interface générale là. Ok, pour montrer non. Par exemple, nous, là, si je choisis la catégorie là, elle ne peut pas changer rien. Mais par contre, si je choisis la catégorie là, par exemple, je clique sur catégorie ça, là, qui c'est, qui ça me clique sur là, en Consumer Electronics. Donc, là, pour, par exemple, les chercher automatiquement, bon, les bon, recherche de catégorie que moi cliquer sur lien. Donc, ça sont premier bagage pour connaître comment pour me dire utiliser la plateforme. Donc, aucune catégorie ou là, ou bien, par exemple, 2, 3, mais c'est surtout comme si. Comme ça, des mots-clés que mon tellement cherché sur site là que AliExpress font genre les placer n'importe comment pour plus ou moins car ouais. Par exemple, Richard Sanders, washable mask, grey wig with bands. Ça, c'est des mots-clés qu'un pile monde cherchait. Donc, les mettez là pour en quelque sorte faciliter, me dit, visite mon yolé au vini. Donc, n'importe quel masque, il y a toute bagaille net là. Donc, voilà. Donc, on a brisé sur ça tout à l'heure. Donc, il y a catégorie là, ou il y a barre de recherche là. Donc, il y a voilà, catégorie, il y a 10 boutons pour cliquer pour chercher. Ou bien wishlist qui permet que l'on ait un produit qu'on aimait. Et bon, il doit par exemple cliquer sur produit et pour ajouter dans wishlist. Okay? Et là, pour rentrer sous contour. Donc, le bail qui est encore, il y a dit, nous sur interface là, c'est ben, c'est tout ça qui a un rapport, il dit tout bagage légal qui a un rapport à AliExpress, soit je n'ai en bas là, c'est-à-dire footer. Plateforme non, tout bagay qui gagne, aux endroits par exemple, dégâts de fonctionnement de plateforme non, ou abjoignez là, ok? Donc ça nous va faire, nous allons choisir un produit. Nous allons choisir un produit. Donc, si je prends par exemple un produit que moi-même en pile, c'est bijoux. Parce que c'est derrière mes 20 bijoux en pile. Ce bijoux, c'est une bagay qui vend super, super facile. Donc par exemple, là, je vais sous bijoux, cliquez sur lui, je vais sous bijoux par exemple. Donc, ça, c'est une montre qui vend beaucoup. Donc, on va cliquer sur lui, par exemple. OK. Donc, nous venons arriver sur l'autre partie, sur l'autre interface qui c'est page produit. Hein. Donc, là, on arrive sur page produit, on va remplir le pour, dit, analyser sous page produit. Et c'est là, nous allons prendre temps pour nous bien montrer toute la bannette. Là, on va en voir où j'ai toujours logo. Hein. Et là, où j'ai non site là. Et là, cliquer sur lui, il y a une information sur site là. Ça dit sous vendeur là. Pas oublier, moi je dis ça, AliExpress c'est une plateforme de vendeurs. C'est-à-dire c'est un marketplace. C'est un marketplace, c'est un endroit côté tout le monde vient tant pour marché. Nous-mêmes qui connaissons la ville. Donc là, la ville où on a un paquet de marché, des fois, il y a là donc à vendre même bagaille là. Aux amis, nous, il y a là vendre à différents prix par exemple. Donc c'est même bagaille là pour AliExpress, mais en ligne. Donc là, il y a toute qualité vendeur. Nous, quand même, nous là, Nectom Official Store, Ni Bossy Factory Watch Watch Store, Qwen Official Store. Watch Lock Store, donc c'est différents vendeurs, ok?
Donc, l'arrivée là, ou bien deux barrières à faire. Voilà, analyser produit et analyser vendeur là. Super. Maintenant, nous allons choisir un produit, par exemple. Si je prends, par exemple, Rings, par exemple. Cliquez sur Rings. Donc, il va y avoir moins résultat. D'accord? Donc, gain de trois le bagage qui est important aussi là. Lorsqu'on fait recherche, que vous allez montrer. Par exemple, là, si par exemple, il va y avoir un mot, dit qui ça ou voulez. Ah, par exemple, mon mal marqué moi. Heureusement, ouais. Sans pas faire exprès mal marqué moi, il dit est-ce que vous voulez dire Wings? Vous dites oui. Donc, il va même les gars dit image que le débat ou bien image produit que le débat ou t'es déjà. Des gars qui ont un rapport à ce que chercher, mais ils peuvent tout corriger et c'est beaucoup mieux. Donc, le bail qui est un gain prix là, donc vous cherchez pas prix. Si par exemple, on dit, on va faire du dropshipping, on a besoin par exemple des produits avec un coût qui est très bas pour plus ou moins qu'avant d'effet bénéficiaire. Si par exemple, on veut les prix entre 2 euros et 5 euros par exemple, on fait OK. Donc, nous allons toute bague qui entre 2 euros et 5 euros. Est-ce que ça me dit non? Les bagues en dessous de 2 euros. En fait, la bague en dessous de 2 euros parce que 2 euros, encore plus vite, parce qu'ils comprennent qu'on va chercher un décadie produit qui bat prix. Mais les bagues qui au-dessus de 5 euros. C'est-à-dire les bagues qui plus qui ils vendent plus que 5 euros. Est-ce que ça me dit non? Donc, c'est super important. On doit utiliser ça pour qu'on décadie retenir nos cadres de prix produit qui permettent de vendre et faire bénéfice. Okay? Donc, on doit faire ça. On doit enlever après. Donc, ça, c'est si vous voulez faire. D'accord? Le bail qui gagne aussi, ou il doit juste garder là pour MDK dit comportement marché, comportement acheteur. Quand les acheteurs viennent, qui sert au plus ou moins, dans qui tranche de prix au plus ou moins. Y. Par exemple, le clic est là, par exemple, ouais, entre gain à peu près 8% acheteurs qui achetaient des produits qui sont entre 0 et 77 centimes. Il y a par exemple 42% acheteurs qui achetaient entre 77 centimes et 1,56 € de produits. Nous gagnons par exemple 30% acheteurs qui achetaient entre 1,56 € et 2,56 €. 38 de produits. Et nous gagnons 15% d'acheteurs qui achetaient entre 2,38 et 3,77. Et 5% entre 3,77 et plus. Donc, il est super important qu'on puisse utiliser ça aussi pour comment marcher et comment acheteurs ou comporter sous plateforme. Le bail qui gagne aussi, c'est que vous gagnez Shipping Form. Shipping Form, c'est une option qui permet au web plus ou moins avec précision de qui va acheter produit et ça permet de faire des calculs de prix ou bien des calculs de stratégie marketing pour qu'à vendre produit. Par exemple, mon produit, soit vendre sur marché américain et qu'on prend des produits qui ship une forme américaine, c'est-à-dire vendeur l'idée, il y a entrepôt qui aux États-Unis pour le voir produit en client. Donc, pour moi, ça dans masterclass produit, mais m'a dit deux trois mots sur celui-là, c'est que les paillettes pour compte ça, donc produit il prend moins de temps pour la jeune client. Donc produit par exemple soit shipping depuis les États-Unis, il prend entre 5 à 7 jours, pas plus. Et encore, moi je dis 7 jours, c'est parce que je voulais très large sous dossier. Donc moi je dis 7 jours. Comparativement, si même produit ça l'a sorti la Chine, la durée entre 14 et 20 jours. Est-ce qu'il y a une différence là? Donc on doit permettre de dire que produit en sorti aux États-Unis, déjà, on doit permettre de dire que produit en sorti aux États-Unis et on doit permettre ou dit encore que produit la prend entre 5 et 7 jours pour arriver à la chaos. Ce qui fait que maintenant, il a beaucoup plus content acheter produit parce qu'on est la jeune produit en vie. Contrairement à si par exemple, vous mettez que produit a fait entre 14 et 20 jours. Est-ce que nous avons une différence là? Donc, shipping form là, il est super important. Et il y en a pas qui est bon avec shipping form ça. Même par rapport, avant que mes boutiques m'en pose, produit m'a vendu, étant donné que c'est la Chine qui est sortie, moi j'ai commencé à chercher des entrepôts en Europe. Donc, par exemple, moi j'ai commencé à payer nos produits, moi fait recherche en après-midi les shipping form pour moi. Dans qui l'autre pays que vendeur a gagné entrepôt et que la cave est produit par les clients au banc. Donc, Shipping Form là, sont très belles fonctions qui aident en pile, dépendamment de qui information qu'on a besoin pour qu'à véhiculer, m'a dit, stratégie marketing ou effet, comment ça m'a venu. L'autre bail qui gagne aussi, c'est que vous gagnez fast shipping, bon, vous gagnez free shipping. Généralement, j'en ai anglais, ça avant les dropshipping, tu es plus ou moins fait apparaître ou tu es capable d'utiliser, mais ça va être loin parce que. N'importe qui peut acheter là ou payer shipping sur lui. Parce que normalement, on va bien dire ça dans la vidéo que nous avons déjà eu. En prix, on peut tu quoi vendre du shipping, c'est prix qu'on paye vendeur en plus shipping. Donc, on fait calcul pour qu'on ait ce qu'on fait, qu'on fait, qu'on fait bénéfice. Faut qu'on entre pour shipping. Non, c'est même pas la peine qu'on clique sur ça ou là. À moins que on achète un produit qui est super cher, à ce moment-là, les me dit cher, non, super cher. On produit qui coûtait à partir de 10, 12, 11 euros, généralement, là, très intéressant pour mettre free shipping. Donc, là, si vous achetez des produits en dessous de 6 euros, sincèrement,
Frichy bin d'avoir l'été l'or en au contraire, les risques est bon plus problème parce que l'or est produit en pas coûté cher ou elle mettait frichy bin encore, les risques est fait en pile temps dans route. Mais par contre, une option qui là qui a très bien pour surtout soit fait commencer dans le dropshipping ou pas gagner un peu d'expérience, ou bien cliquer sur le bouton ça qui signifie 4 étoiles et plus. Donc, moi, je ne tout, dès qu'a dit tout un vendeur qui gagne des 4 étoiles et plus et c'est super, super bien. Là, pour ça, dans l'autre vidéo, les nouvelles parler par exemple de deuxième partie qui sait comment vous jouez un bon vendeur. Donc, le bail qui gagne aussi sur la plateforme, donc ça va dépendre de comment vous voulez produire paraître pour une certaine ergonomie et permettre d'aller plus vite, ou bien doit en faire paraître là, tant que des petits carrés comme ça, ou bien faire paraître en liste. Par exemple, là, il y a des listes là. Généralement, vous comptez faire parce que libre, vous comptez donner plus d'informations sur le produit, on le met comme ça. Mais de nos jours, vous ne pas mettre un peu d'informations sérieuses sur le produit. Vous plus incité à cliquer sur le produit pour vraiment voir qui ça a gagné, vous présenter des cas dit dans le produit. Okay? Donc, généralement, des cas dit format ça paraît bien intéressant. Et sinon, par exemple, des cas dit pas un bouton, non, mais. Ti boule ça nous est là, avec ti boule jaune abricot et ti boule bleu ça. Moi, je fais une vidéo déjà sur yo qui dans Masterclass au Berlo. Là, je mets un lien en bas pour nous pour aller des Masterclass hein, qui est même aussi totalement gratuit. Même quand nous parlons de qui est gratuit, nous voulons faire une formation qui est payante pour nous garder des formations. Ce n'est pas grave, je vais faire gratuit. Même les formations payantes sorti, mais bon, ce n'est pas encore ça. Parce que ça, on voulait pour nous faire en sorte que nous gagnons tout le bagage que nous avons besoin pour nous monter boutique. Nous n'avons pas besoin de payer pour ça. Okay? Si nous avons un business à essayer de faire et que nous avons payé pour notre bagage. Donc, voilà pour interface, page d'accueil AliExpress. Maintenant, nous allons cliquer sur un produit pour nous voir comment page produit. Hein? Et bon, toute information qu'on a jeune sur page produit. Hein? Nous allons voir ça aussi, il n'a pas les deux vendeurs. Donc là, nous avons des informations sur le vendeur, le logo. Toujours pour faire des recherches. Et là, où il y a une page produit. Une page produit, il y a un barre code qu'on essaie de paraître sous page boutique, mon cap vend produit. Par exemple, là, il y a un nom boutique là. Ou bien, par exemple, page d'accueil boutique, mon nom. Ok? Donc là, où il y a sous web, c'est marqué je sais pas, The Vince Official Store. Et là, où il y a une page d'accueil boutique là. Il y a toute promotion que l'a fait, tout produit que l'a vend, tout bail ça. Ok? Donc, généralement, vous garantissez un plus vendeur pas arriver jusque là. Il y a juste à aller sur page produit, il y a toute information qu'il a besoin. Et à ce moment-là, il décide rapidement est-ce qu'il va vendre produit ça, oui ou non. Et puis c'est fini. Donc l'autre part aussi, il y a un non-produit. Hein? Généralement, non-produit de nos jours, il n'y a pas de titre. Parce que ça va faire, nous mettons un paquet de mots-clés qui ont rapport à produit à vendre pour leur faire recherche sur mots-clés ça pour que le produit apparaisse dans le résultat. Que la plateforme va avoir, c'est tout ça, tout simplement, rien de spécial. Donc là, par exemple, si vous avez des promotions, mais des promotions, là, vous avez un prix produit là aussi, vous avez par exemple tout, dit en fonction que produit en réglé, et ou bien dit état produit. C'est comme si, par exemple, bague, ça un bague à vendre, donc on peut par exemple gagner size ou bien taille bague, et puis qui coule bague. Vous avez gagner gold, par exemple, moi si gold non, là, bon, par exemple, nous avons un petit schéma là qui passe entre. De paroi, normalement, il y a un qui en or, il y a un qui en argent, et c'est ça qu'il a. Là, il y a une quantité. Hein. Et là, il y a une fonction qui est super, super importante, parce que là, bon, combien de temps le produit prend pour arriver quand on veut livrer là. Par exemple, là, free shipping, le shipping est gratuit, okay? Sauf que soit acheter le produit ça là, ou acheter le même, produit ça là privé le 27 mai qu'a le client. Donc, soit il faut cliquer sur un petit onglet qui est à côté, ou choisir payant là, par exemple, on va faire l'expérience pour une carrière. Nous regardons pour nous est-ce que gagne un paquet, nous faisons un paquet, la coûte est 3 euros. Donc c'est 3 euros plus prix produit. Donc regardez-moi si nous avons en France, combien ça t'a coûté. Donc on fait la France. Donc généralement en France, c'est AliExpress Standard Shipping que nous utilisons. Et nous-mêmes, il t'a coûté nous 4,28 $ pour que nous voyons le produit. Okay? Donc c'est super important. Donc pas obligé d'aller mettre le produit dans un panier ou pour aller vérifier. Depuis lors qu'on a vérifié toute l'information, ça y est. Et là, on doit ajouter le panneau bien ou cliquer sur le bouton acheter maintenant, c'est buy now. Nous, encadrons ça qui là, je vais vous parler de lui, je vais parler dans Masterclass produit, hein, parce que c'est un Chrome extension qui permet aux jeunes beaucoup plus de formation en profondeur sur le produit à venir. Donc, lui, très très cool, même je vais vous parler de ça dans Masterclass produit qui va venir bientôt. Okay? Le bail qui gagne aussi sur page produit, ou gagne, regardez toute information super importante. Qui est relié à produit. Par exemple, vous avez un overview produit. Donc là, vous avez tout ce qui est bag des produits similaires à produits que vous voulez acheter dans un premier temps. Vous avez une photo produit qu'on a utilisé pour préparer publicité pour produit, dépendamment de quelle plateforme publicité qu'on va préparer. Formation en publicité a sorti bientôt.
Formation, ça par contre, la payant, ok? Ma ben, nous, toute l'autre formation gratis, mais formation publicité, a, pour qu'à attirer client sous boutique, là, la payant, parce que normalement, c'est ça que nous faisons dans l'agence, là, ok? Donc, j'ai une photo produit, j'ai une SaaS, libre de ces informations pour les clients ou yo, avant que acheter bag là, dans mon, ok? Donc, voilà, j'ai une autre information aussi, que bail des conseils, que bail leur utiliser des gens de bijoux, ça, yo. Yo parle de shipping process, là. Yo parle aussi de quel type de produit, de matière première que utiliser pour créer bijoux, yo. Tout bas, ça, on est parlé de retour, si tout fait un problème avec produit, comment pour faire pour retourner produit, est-ce qu'il y a assez de retour, oui ou non. Après, on a ça, les customers reviews, donc nous allons parler de ça dans nos vidéos spécialement. Côté que vous nous laissez des commentaires, tout autant qu'il y a plus de commentaires, c'est tout autant l'important pour vous, pour savoir exactement qui ça nous a dit sous commentaire. Mais nous allons parler de ça dans notre vidéo. Dans le bas, ça là, par exemple, déjà sous boutique, là, bon, par exemple, tout type de bijoux que vous vendez, par exemple, vous vendez des bijoux pour un mariage. Il y a ça de nouveaux arrivants, il y a ça par exemple de gros discounts de moins 80%, il y a n'importe quel type de bijoux, il y a des bracelets, chaînes, anneaux, il y a des bijoux, des jeux de bijoux. Donc, il y a un paquet d'informations sous ça avant de avant. Il y a par exemple meilleur produit qu'à vendre actuellement là sous boutique ça, ok? Donc, c'est soit je mets dans partie ça, dans side by ça là, side bar ça là, ok? Et l'autre descend en bas où je ne sais pas produits des vendeurs recommandés. Donc les vendeurs recommandés, c'est pas même vendeur non, c'est d'autres vendeurs, ok? Mais recommandons par exemple d'autres produits. N'importe ça dans masterclass produit côté Brian nous pour qui ça section ça elle est super 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 important. Donc après bon je footer là qui borde toute information qui a un rapport avec catégorie quoi chercher produit sous lire. Nous allons laisser je vais laisser une autre catégorie vite fait avant que nous conclue vidéo ça. Si nous prenons par exemple beauty and hair, par exemple, si m'aller dans healthcare, par exemple, nous allons voir d'autres types de produits. Si je clique par exemple sur produit, ça, si je fais par exemple, ah, il y a une information oubliée, bah, super importante aussi, c'est sort by. C'est-à-dire, sort by permet tout, dans qui façon vous voulez chercher produit. Est-ce que vous voulez, par exemple, généralement, on fait des recherches ou bien ça va être best match. Best match signifie, c'est-à-dire, mot qu'on utilise, il y a des produits qui vraiment plus ou moins correspondent avec mot ça exactement. Même là, il fait un dit recherche ou cliquer sur orders, il va permettre qui produit ou vend plus dans la catégorie qu'on cherche là. Par exemple, dans la catégorie que l'on cherche là, produit ou vend plus, c'est produit ça qui c'est une relaxation machine, c'est une machine de relaxation. Donc, c'est lui qui vend plus. Regardez le nombre de ventes en vend à peu près 8950 produits comme ça qui est en vente. Ou bon, il doit chercher ça les newest, c'est-à-dire des produits qui vraiment fait venir dans la catégorie ça, pas gain. Vous pouvez aussi chercher par prix. Si vous cliquez une fois, il y a bon prix, c'est-à-dire de l'ordre, on va dire croissant, c'est-à-dire des produits sortis de plus petit prix jusqu'à prix qui pigoua. Si vous recliquez sur les encore la boîte de prix qui pigoua jusqu'à prix qui pipitien. Par exemple, prix qui était pipitien, nous allons c'est 0,10 centimes. Et prix qui pigoua, par exemple, produit qui vend plus cher là, c'est un produit qui vend 10 000 dollars. Voilà, c'est des tables ou plutôt des lits de relaxation, de massage. C'est des lits de massage. Donc voilà. Donc tout produit ça ou là, nous devons justement utiliser partie ça pour qu'on regarde produit. Donc si nous cliquons sur produit ça, par exemple, on va cliquer sur orders pour mon produit au 20% qui c'est produit ça, on va cliquer sur lit. Voilà, par exemple, ils ont laissé 2300 commentaires pour presque 9000 commandes. Donc on va regarder par exemple type de commentaires. Bien vite, hein. En pile 5 étoiles, c'est dit son produit que moun yo vraiment en pile, donc son produit peut-être de bonne qualité et que produit est bon, en pile moun après ces produits et peut-être laisser bon commentaire. Donc, ça sont indications aussi qui permettent pour montrer que produit ça, son produit qu'on va vendre dans boutique et en plus il va même vendre cher même. Et dans la période, ça rampe en pile moun doit utiliser produit ça. Et par exemple, avec ti application que j'ai gagné, ti Chrome, ti extension que j'ai gagné, ils m'ont vraiment idée, une vraie idée sur prix. Comment prix a évolué dans le temps avec peut-être situation que nous avons là. Donc, ça, nous allons parler dans Masterclass pour Jean. Donc, voilà, c'est tout ça que nous avons dit pour front office AliExpress dans la vidéo. Ça. Dans l'autre vidéo, nous allons voir back office AliExpress. Nous allons voir tout ça dans back office. Je vous dis à très vite dans l'autre vidéo. Allez, ciao, ciao.